Bonsoir, bonjour chers téléspectateurs. Je vous retrouve donc pour l'émission du mois d'octobre. Je suis très heureuse de vous la faire partager avec une jeune de nos enfants, de nos petites réussites. Et une personne qui aura, j'espère, beaucoup à vous apprendre sur l'intrépidité de notre jeunesse. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon moment à sa présence et puis peut-être qu'elle vous laissera aussi un numéro de portable si vous avez envie de rentrer en contact avec elle. Avant d'entrer dans la discussion avec elle, je voudrais remercier Zoop TV, les techniciens, tous ces gens qui sont extrêmement disponibles et sympathiques, qui nous mettent à disposition un studio, de la technique et la possibilité de vous rencontrer et de vous faire rencontrer des gens peut-être qui seraient passés inaperçus dans vos vies. Voilà, donc je les remercie et puis je souhaite longue vie à Zoop TV. Alors, donc, je reçois cet après-midi Solveig Holzinger. Elle a un nom tout à fait allemand, mais vous allez voir, ça n'empêche pas qu'elle soit martiniquaise. Bonsoir Solveig. Bonsoir à tous. Oui. Alors, peut-être qu'on commence par expliquer. Alors, je vais la tutoyer, chers téléspectateurs, parce que je la connais. Et j'ai eu envie de donc, vous la faire connaître également, parce que son expérience vaut la chandelle. Voilà. Donc, alors, pourquoi ce prénom et ce nom Solveig Holzinger? Alors, de papa d'origine allemande et de maman, bien sûr, martiniquaise. D'accord. Donc, le choix du papa a été le plus important puisque le prénom a été également, était également allemand. Alors, c'est toi qui me disais que quand on voit ton nom, on ne pense pas, on ne voit pas qui il y a derrière forcément et ça peut réserver des surprises. Tout à fait. Alors, c'est vrai que bien souvent, quand je me présente, que ce soit dans mon contexte personnel ou professionnel, les gens sont toujours un peu perdus face, premièrement, à mon nom de famille, mon prénom, et aussi par rapport à l'accent que je porte quand je m'exprime. Oui, qui n'est pas très allemand? Non, du tout. Okay. Bon, il n'est pas français non plus, apparemment. Il n'est pas... Alors, il est bien de chez nous. C'est l'une des choses qu'on a réussi à garder dans cette descendance, qui a un pied dans la martiniquanité et un pied peut-être dans l'ailleurs. On a réussi à garder le parler. Le parler. Parce que tu parles créole. Je parle créole, évidemment. Voilà. Alors, ça fait 18 ans que tu es partie. 17 ans. 17 ans. Donc, elle a vécu à la Martinique, elle vous dira. Alors, donc, je reçois de profession une gérante, elle est gérante d'un bureau d'études spécialisé en matériaux et vieillissement de matériaux. Alors, ça concerne l'acier. On parle de matériaux, de composites et polymères, c'est ça? Polymères, de bois et de béton. Voilà, une personne qui serait derrière qui on verrait davantage un homme par rapport à la profession, mais non, c'est gérante et on parle bien d'une femme, d'une jeune femme. On peut dire ton âge, Solveig? Bien sûr, j'ai 34 ans. Solveig a 34 ans, elle a quitté la Martinique il y a 17 ans. Ben voilà, elle revient 17 ans plus tard, pas forcément pour s'installer, mais peut-être dans l'intention de le faire, donc on verra comment ces recherches auprès des entreprises spécialisées vont aboutir. Alors, donc je vous propose qu'on fasse un petit un peu sa connaissance, qu'on entre un peu dans son parcours. Donc tu es née dans une ville du sud de la Martinique.
Alors, je suis née à l'hôpital du Lamantin, effectivement. À l'hôpital du Lamantin, d'accord. Et j'ai grandi dans la commune de Rivière-Pilote et particulièrement dans le quartier de Lanceligui. De Lanceligui, voilà. Le quartier de pêcheurs. Oui. En bord de mer, entre forêt et mer. Entre forêt et mer, oui. Et tu as fait ta scolarité ? Alors, le collège, enfin les petites écoles jusqu'au collège, donc dans la commune du Marin. Mmh. Et le lycée ensuite à Rivière-Salée, au lycée Torail à l'époque, et maintenant le lycée Joseph Zobel. Hein. Et puis après, le grand départ pour les études après le baccalauréat. Mmh. Donc le baccalauréat, tu l'as eu à 17 ans ? À 17 ans, oui. Baccalauréat, un bac S. Un bac S. Un bac scientifique. Mmh. Ensuite, je suis partie deux années en Guadeloupe, puisque à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la ségrégation de l'université anti-guyane, qui est un sujet de discussion en ce moment. Mmh. À l'époque, c'était encore l'université anti-guyane, donc l'UAG. Donc, tous ceux qui étaient de branches scientifiques et à études à vocation scientifique devaient partir en Guadeloupe. Donc, je me suis retrouvée, effectivement, en mes deux premières années de DEUG, en Guadeloupe, sur le campus de Fouillol. Mmh. Alors, malheureusement... Et là, tu as fait quelle étude exactement ? Alors là, j'étais en sciences de la matière, donc chimie et physique. Mmh. Et malheureusement ou heureusement, le parcours par la suite dit plutôt heureusement, beaucoup de déceptions à l'université. Beaucoup de... Donc, pendant ces deux premières années en Guadeloupe, de déceptions ? Beaucoup de déceptions parce que je me rappelle, jeune étudiante que j'étais, j'attendais tellement des études, je pensais découvrir beaucoup de choses. Et c'est vrai que me retrouver à prendre des cours dans les marges de l'université, parce qu'il n'y avait pas assez de place, l'amphithéâtre bondé, ces cours très distants, le manque de proximité avec les étudiants, toutes ces choses ne m'ont pas forcément plu. Donc, j'ai tenté une deuxième année, j'ai pas eu mon DEUG du coup, et là je me suis dit, peut-être que des études avec une orientation beaucoup plus technique seraient plus adaptées à la façon dont moi je voyais ma vie professionnelle. Donc là, beaucoup de temps passé au centre d'orientation. Mais moi, j'allais dire, eh bien, c'est la Guadeloupe qui t'a formé, qui t'a donné les bases de ta profession. Et puis finalement, non, c'est pas vraiment ça. Mais pourquoi est-ce que tu t'étais orientée dans ce domaine-là ? C'était études de la matière ? Sciences de la matière. Donc c'était à l'époque, bon, tout ce qui était plutôt scientifique, donc on avait le choix entre biologie, sciences de la matière, plutôt mathématiques. Donc moi, effectivement, par rapport à mon choix, je m'identifiais plus à des études de chimie, puisque la chimie, c'était un petit peu la matière qui me passionnait quand j'étais lycéenne. Et je me voyais poursuivre dans cette branche et avoir plus d'opportunités aussi pour la suite. Et là, donc, comme je disais, donc, beaucoup de temps passé au centre d'orientation à la fin de mes deux années, où là, on se dit, mon Dieu, Années où tu n'as pas de... Je n'ai pas eu... Pas de diplôme. Non. OK. Et là, je me dis, bon, se retrouver avec quelques UV validés, on ne peut pas aller bien loin avec ça. Et c'est vrai qu'un choix s'est posé, et je me suis posé beaucoup de questions à me dire, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et comment envisages-tu la suite, tes études et tout. Et tu étais seule pour décider ou tu avais l'aide de tes parents, le soutien de tes parents ? Le soutien des parents, on l'a toujours, mais le choix, effectivement, m'appartenait. Il m'appartenait, puisque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours effectivement poussée dans la voie des études, mais qui m'ont toujours aussi laissé prendre mes propres décisions. Donc là, j'ai envisagé de faire un DUT. Donc un diplôme universitaire technique. C'est ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être plus adapté à la façon dont moi je percevais aussi les études, puisque le mode d'enseignement en DUT, c'est quand même en université, contrairement au BTS qui est dans un lycée. Et ensuite, il y a quand même un encadrement qui est plus présent et aussi quelque chose de beaucoup plus pratique finalement, et de beaucoup moins pragmatique. Donc, je me suis retrouvée à faire des demandes dans différents... Et tu avais décidé de quitter la Guadeloupe ? Voilà, de quitter la Guadeloupe pour la métropole. Voilà, pour l'ouverture, justement, vis-à-vis des études. Donc, je me suis retrouvée à postuler dans différentes universités.
enfin, la question de la métropole, ça nous pose un problème ici maintenant. On essaie d'utiliser des mots qui ne nous renvoient pas à la situation coloniale. Mais bon, on parle de la France plus que de la métropole. D'accord. Donc tu trouves, tu veux, c'était où? C'était à Paris ou dans une... Alors moi j'avais fait le choix de faire des demandes à la frontière franco-allemande du coup, puisque comme je n'avais guère de famille en France, donc je me disais comme j'avais les grands-parents qui n'étaient pas très, très loin outre-Rhin, que ce serait pas mal d'être à la frontière franco-allemande. Mmh. Donc j'avais centré mes demandes en Alsace et en Lorraine. Et j'avais été retenue dans deux universités, donc l'université de Mulhouse et l'université de Belfort. Donc Belfort. Ensuite, alors mon choix a été vite fait parce que la seule université où j'avais réussi à avoir un logement universitaire, c'était celle de Mulhouse. Donc le choix a été fait de façon naturelle par rapport à la problématique du logement. Voilà. Et là, dans cette université, tu apprends, donc tu es dans cette formation. Alors j'ai fait un DUT sciences et génie des matériaux. Donc tu as changé d'orientation ou Alors tu c'est as... toujours une dominante chimie, puisque c'est un DUT qui est classé parmi les formations en chimie, mais c'est chimie mécanique en fait. Voilà. Donc voilà, deux années de DUT qui se sont bien déroulées, où j'ai pu. Constituer un dossier scolaire satisfaisant parce que j'avais de très bonnes notes. Donc là, tu faisais un DEUG. J'ai fait le DEUG en Guadeloupe que je n'ai pas réussi. Non, tu ne l'as pas eu, mais là, tu refaisais un DEUG. Je recommence à zéro, c'est effectivement. Ça, tu recommences à zéro. Et par rapport à ce DEUG où tu réussis à Mulhouse, tu as fait un bilan par rapport à ce que tu avais vécu en Guadeloupe et qui ne marchait pas? Ah oui, à l'issue de mes deux années d'études techniques, À Mulhouse. Effectivement, je me suis dit que j'avais fait le bon choix de changer, parce que c'est vrai qu'en faisant un DUT, comme je disais, le côté pratique, avec des projets industriels, avec des travaux pratiques, avec une approche beaucoup plus proche du monde industriel finalement, que des études en université. Où je pouvais me projeter dans un futur professionnel. Alors qu'en DEUG, effectivement, comme je le disais, on était très nombreux, des cours impersonnels, une distance avec l'enseignement, beaucoup d'autonomie. Ça voulait dire quoi, une distance? Les professeurs n'étaient pas disponibles pour vous? Vu le nombre d'étudiants que nous sommes, il est difficile, à part en travaux pratiques où les groupes sont réduits. Mais c'est vrai que le mode d'enseignement en université, c'est quand même assez particulier. Et quand je me suis retrouvée en DUT avec une classe de 25-30 étudiants, avec la disponibilité de l'enseignement, des enseignants, et justement cette approche industrielle des choses, cette approche beaucoup plus pratique, je me suis sentie de suite beaucoup plus à l'aise. Et puis c'est vrai, il ne faut pas le cacher, la prise d'autonomie. J'avais commencé mes études très jeune, j'avais 17 ans. La prise d'autonomie quand on quitte le nid familial, c'est aussi acquérir de la discipline, acquérir aussi sa propre façon de voir les choses et sa propre vision de son futur finalement, puisqu'on ne travaille plus pour les parents, pour faire plaisir aux parents en rapportant notre cahier de correspondance, où là vraiment, on doit faire nos propres choix. Donc se lever pour aller à l'école, le premier appartement, réviser pour ses examens, surtout qu'en université, les examens, c'est par trimestre ou par semestre, alors qu'en DUT, on est en contrôle continu. Et c'est beaucoup plus facile à gérer, je pense, pour un jeune. Donc, au bout des deux années, non seulement tu apprends, tu es dans dans des études que tu réussis, tu accumules de l'expérience, et en plus, tu apprends la vie. Oui. Et tu apprends ça toute seule. Et puis la première année en France toute seule, sans les parents. C'est ça. Ça a été aussi une étape lourde et difficile, je pense.
On dit que beaucoup de nos étudiants des Antilles échouent leur première année d'études de médecine ou des études un peu difficiles parce que justement ils ne sont pas entourés, les parents ne sont plus là et que voilà, c'est une étape transitionnelle qui est difficile à assumer. Et puis la différence culturelle, il faut quand même le dire. Ouais. On se retrouve dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Mm-hmm. On se sent aussi isolé. Bon, après moi, c'est vrai que j'étais dans une ville où il y avait peu d'étudiants antillais, donc je sais pas, j'étais pas dans un grand pôle comme mm-hmm. Paris, Toulouse ou Montpellier, donc forcément l'isolement. Mm-hmm. L'isolement, découvrir aussi l'hiver. Quand tu dis une grande différence culturelle, tu penses à quoi exactement? Moi, je me rappelle les premières choses qui m'ont marquée, malgré ma double culture, puisque j'ai quand même un père européen. Donc, j'ai eu la chance depuis jeune, depuis enfant, de partir passer les grandes vacances chez mes grands-parents en Allemagne. Mais je me rappelle les premières petites choses, les petits détails de la vie courante qui m'ont touchée. Je me rappelle mes premières courses. Dans un grand supermarché. Où là je découvre ces petites banquettes avec des portions individuelles, oui. Les petits sachets de chips, le coca en 50 centilitres. Et les gens qui achètent une pomme. C'est ça, exactement. Voilà. Alors là, j'ai compris une chose, je me suis dit, on est vraiment dans un monde individualiste. Ah oui, très bien. On est vraiment, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué parce que chez nous on achète 10 kilos de poulet. Il faut nourrir des grandes familles. Oui. C'est ça. Alors que là, en vivant seul finalement, on peut se permettre d'acheter juste une cuisse de poulet. Voilà. Mm-hmm. Et c'est ces petites choses-là qui m'ont vraiment marqué ma première année, je me rappelle. Mm-hmm. Cet individualisme et puis et aussi la perte, mais ça a été plutôt un côté agréable, j'ai trouvé, c'est l'anonymat, la découverte de l'anonymat. Quand on marche ici en Martinique dans sa commune, tout le monde sait qu'on est la fille d'eux, que nous sommes un tel ou un tel. Mm-hmm. Et là, je pouvais marcher dans ma ville, mm-hmm. je pouvais me promener dans mon bâtiment, rentrer à l'heure que je voulais, sans que personne ne me regarde. Mm-hmm. Alors c'est vrai que la première année, c'était très agréable. Parce qu'on se dit, cette découverte de l'anonymat, personne ne sait qui je suis, personne ne s'intéresse à moi, et je peux vivre comme ça pendant longtemps. Je peux faire ce que je veux, oui. Ce qui attire beaucoup de nos gens des Antilles, et qui, parce qu'ils ont envie de sortir de cette promiscuité dans laquelle on vit. Oui, mais combien de temps on supporte ça, là? Un an. Non, pas plus. Non. Ça. C'est-à-dire que c'était voilà, très vite. Très vite, ça là, devient pesant. Ça devient pesant. Ça devient pesant parce qu'on n'existe pas. En fait. C'est ça, exactement. Ouais. Même ses voisins, je veux dire, j'ai eu la chance d'habiter dans la même résidence mes deux années en étant étudiante, hein, je parle bien, donc pas dans un bâtiment. Comme on peut habiter quand on est plus grand. Mmh. Je veux dire, en étant étudiante, où généralement on est quand même réputé pour avoir des soirées un peu festives, puisque nous sommes en France, on a la liberté, les jeunes se rencontrent, on a des activités culturelles, etc. Ben non, moi, j'ai mes deux premières années en France, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça parce que justement, je n'ai connu que les gens qui étaient à l'école avec moi. Tu t'es isolée de la communauté antillaise aussi, c'est ça? C'est ça. Donc c'est vrai que j'étais dans une université où il y avait très peu d'Antillais. J'ai rencontré quelques Guadeloupéens qui ont été mes voisins de palier ma deuxième année et qui m'ont permis aussi de renouer un lien social finalement en dehors des gens avec qui j'étais à l'école. Donc avoir des amis en dehors du groupe fermé dans lequel on évolue au quotidien. Et c'est là où on a recommencé effectivement les soirées à faire nos petits repas antillais pour nous rappeler notre culture, parler notre petit créole et se sentir soi-même finalement. Bien sûr. Voilà. Alors moi, je trouve intéressant cette façon que tu as d'aborder la question de l'anonymat parce que beaucoup, nous sommes un petit pays comme on a l'habitude de l'entendre dire et la promiscuité est une chose qui gêne beaucoup mais peut-être qu'elle a un avantage qu'on découvre
quand on a vécu l'anonymat, justement, puisque quand on ne l'a pas vécu, on le recherche, et puis quand on l'a, on découvre qu'on est seul et que c'est très, très pesant. Il y a énormément de gens qui sont très isolés et qui ne savent pas quoi faire de cet anonymat qu'ils ont tant désiré. Donc c'est intéressant de voir, en plus, quand on est très jeune. Donc voilà, on est content, on associe ce sentiment de passer inaperçu à la liberté, le sentiment de pouvoir faire ce qu'on veut. Et en réalité, on apprend ce que la socialité dans nos régions nous apporte aussi de constructif, parce que le fait que l'espace soit réduit nous oblige à vivre d'une certaine façon. Et puis nous avons des traditions qui sont aussi héritées de l'Afrique et qui font que chacun s'occupe de chacun, c'est-à-dire la vision communautariste. Tout à fait. Fermée, tu es l'enfant de qui, tu fais quoi, tu es comment, tu es venu là, tu as quel âge, qui est ton tonton, qui est ton papa. Moi, je dis toujours que chez nous, on prend soin les uns des autres. C'est ça, mais ça c'est une tradition qui est véritablement communautariste et construite, hein, elle n'est pas tombée du ciel. Mais donc ça c'est intéressant de faire l'expérience et d'en tirer des conclusions qui sont que, ben, pour tous ceux qui rêvent d'anonymat, pour savoir que nous sommes des animaux sociaux fondamentalement, et donc tout dépend des contextes, des environnements, et à partir des expériences qu'on fait, eh bien on sait tirer aussi des leçons et apprécier son lieu à soi, son espace à soi, son éducation à soi, avec d'autres yeux, parce qu'en général nous sommes quand même très durs avec nous-mêmes, très critiques avec notre culture. Nous prêtons tous les défauts du monde. Mmh. Et donc ça nous insupporte, nous nous insupportons réciproquement, et finalement on n'a pas le sentiment que la Martinique produit du beau, produit du viable, produit du supportable aussi. Hein, c'est intéressant. Il y a aussi un autre aspect de l'anonymat qui m'avait beaucoup plu en étant femme, en fait. Mmh. Puisque c'est vrai que chez nous, dans notre éducation antillaise et dans notre adolescence, quand on commence les sorties, quand nous commençons à fréquenter le sexe opposé, où vraiment là, on porte le nom de notre famille, mmh. on a peur de la critique, mmh. peur de beaucoup de choses, et où on ne peut pas se permettre non plus, en étant une jeune fille, de faire un certain nombre de choses et d'avoir un certain nombre de libertés. Mmh. Donc c'est vrai que dans ma condition de femme, cet anonymat aussi m'avait... Tu avais entrevu une possibilité de... Mais finalement... Une bouffée d'air. Justement, mais finalement, cette histoire-là... Parce qu'une fois qu'on a le sentiment qu'on va pouvoir peut-être sortir avec qui on veut, on se rend compte qu'il y a d'autres valeurs qui sont en jeu. Et que justement, il ne s'agit pas de sortir avec qui on veut. Non, ce n'est pas une question de jugement, en fait. C'est la peur du jugement, en fait. C'est la peur du jugement. Plutôt que l'envie de liberté, c'est ce que je veux dire. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, notre éducation, elle nous suit. Et puis justement, c'est elle qui nous donne la marche à suivre. Mais c'est la peur du jugement, je pense. C'est la peur du jugement, c'est aussi le fait que le regard que notre société porte sur les femmes, dès qu'elles sont en âge, effectivement, de s'émanciper, est un regard très dur. Mais ça a une histoire aussi. Si on ne comprend pas l'histoire de notre société, des rapports hommes-femmes, on ne comprend pas pourquoi les filles, faut dire d'un certain milieu, ont été quand même très tenues. Mmh. Et elles se sont senties, justement, bridées, et bien quand elles sont parties, elles ont l'impression que voilà, ça serait la liberté et qu'elles feraient ce qu'elles voudraient, mais en réalité non, parce que l'éducation, justement, ce sont des règles un regard sur soi, une vision du monde, une manière d'être à l'autre, avec l'autre, et qui nous donne nos limites. Hein. Tout à fait, et qui nous bride parfois aussi. Qui peut nous brider, ouais. Mais ça peut être justement pour ouvrir. Il ne faut pas lâcher toute la vanne. On ouvre progressivement à mesure qu'on se connaît mieux et qu'on comprend ce que les autres attendent de nous. Mais ça nous permet d'avoir un regard critique. C'est absolument. Un regard critique sur le mode de fonctionnement finalement ailleurs. Mmh. Parce que dans cet ailleurs-là, on le verra tout à l'heure, on est d'abord des femmes exotiques. Et donc beaucoup d'entre nous
joue ce jeu-là, à ce jeu-là, sans bien maîtriser. Donc c'est ça. On va revenir là-dessus, chers téléspectateurs. Mais bon, on t'a laissé un DUT que tu termines brillamment. Et tu fais quoi? À la suite de mon DUT, donc, j'ai eu la chance de travailler donc, pendant mes études en parallèle. Hein, donc, en parallèle de ce DUT, j'ai rencontré donc, mon premier patron, qui était un Sicilien, hein, qui était un patron de restaurant à Mulhouse, hein, où je faisais quelques soirées et quelques week-ends. Je jobais, comme on dit. Je jobais et j'ai trouvé ça très sympa, la France, pour ça, parce que je me disais, finalement, ici, on trouve facilement un travail. On peut se générer comme son petit budget pour arrondir les fins de mois et nous permettre finalement de gérer notre vie loin des parents. Mmh. Et puis de gagner en autonomie aussi, évidemment. Mmh. En ayant un salaire, finalement, parce que j'avais déjà un salaire, même si c'était un mi-temps que j'occupais, j'avais déjà un salaire en parallèle de mes études. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas arrêter maintenant et chercher du travail. Donc, j'avais beaucoup postulé, j'envoyais des courriers, lettres de motivation un peu partout. Et en deuxième année de DUT, on a l'occasion de faire un stage. Donc, moi, j'avais fait mon stage de fin d'études en Guadeloupe. Dans une entreprise. Donc tu es rentrée. Je suis rentrée. J'ai eu la chance de trouver un stage en Guadeloupe puisque j'avais motivé le fait de trouver un stage aux Antilles. Donc j'avais cherché sur les deux départements, Guadeloupe-Martinique. Et j'avais trouvé un stage, mon premier stage en Guadeloupe, dans une entreprise qui fabrique des peintures et vernis. Et là, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance pour trouver un travail. Et en retour de stage... Tu envisageais donc de te fixer en Guadeloupe? Non, j'avais cherché en France. Donc après le stage, Je rentre et je me dis, je vais chercher du travail en France. Et là, je passe ma soutenance de stage et tout. Et mon directeur d'études m'attrape et me dit, Solveig, tu es quand même une fille qui a du potentiel, mais il te manque de la rigueur dans ton approche... dans ton approche générale, et une fille comme toi, tu devrais essayer de faire plus. Donc, c'est lui qui m'a donné l'envie de tenter ma chance, parce qu'on nous inculque tellement le fait qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez fort, ou qu'on n'a pas un dossier suffisamment costaud pour pouvoir aller en école d'ingénieur, et que ce n'est pas pour nous, c'est pour les gens qui ont fait prépa, c'est pour les gens qui vont faire des concours. Donc moi, pour moi, je n'étais pas de niveau à faire une chose pareille. Je me disais, moi, au pire, je vais faire une licence professionnelle, enfin, au mieux. Mais je ne me projetais pas dans des études aussi poussées. Et c'est lui qui m'a donné, qui m'a suggéré donc, de poser des dossiers, de faire des demandes. Donc, j'ai pris ça un petit peu à la légère. Et retour à la case départ, donc au centre d'orientation, comme en Guadeloupe. Et là, j'ai postulé. Donc, j'ai cherché, donc, comme je faisais un DUT sciences et génie des matériaux, donc j'ai cherché une école qui faisait matériaux. Alors, il y en a pas à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en France. Donc, j'avais postulé dans deux écoles, une qui était sur Montpellier et une qui était sur Toulon. Et en parallèle de ça, j'avais postulé toujours par rapport à ma double culture. Hein. L'allemand me tenait beaucoup à cœur. Et j'avais postulé à l'université de Metz pour faire une MST, une maîtrise des sciences techniques. Ça n'existe plus aujourd'hui, on parle de master. Qui était un master plutôt orienté polymère composite et qui était un diplôme franco-allemand. Et pour moi, je voyais en cette formation une opportunité de pouvoir pratiquer ma langue paternelle aussi bien que ma langue maternelle, le français. Et j'avais été acceptée à cette formation. Et donc, quand la rentrée scolaire est arrivée, donc j'ai travaillé dans ce fameux restaurant où je travaillais tout l'été. Et quand la rentrée scolaire est arrivée, donc il fallait que je trouve un logement dans les environs de Metz. Et je n'avais pas eu de retour des écoles. Et là, un matin, je me réveille pour aller travailler début septembre. Hein, donc, les rentrées universitaires, c'est mi-septembre jusqu'à début octobre. Et je reçois un téléx. Alors, c'est atypique de recevoir un téléx. Alors, on est un peu surpris.
Et je reçois ce téléx qui me dit « Votre dossier est accepté à l'école à l'ISITV à Toulon. Il faut vite vous positionner parce qu'il y a une liste d'attente. Et si votre place ne vous intéresse pas, il faut pouvoir la libérer pour quelqu'un d'autre. Mmh. » Donc là, la réflexion, elle a commencé. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à Metz ou est-ce que je vais en école d'ingénieur ?» Mmh. Et mon petit frère, qui lui commençait ses études, on a discuté ensemble, hein, puisque lui il arrivait en France, moi je devais partir dans une autre région, et lui il arrivait dans la même région que où j'étais, donc à Mulhouse, et on a passé une soirée ensemble entre frères et sœurs, comme on n'avait pas passé depuis très longtemps puisqu'on ne se voyait plus. Et il m'a dit, mais ne te pose pas de questions, tu ne te rends pas compte l'opportunité que tu as, une école d'ingénieur, tu n'as même pas à réfléchir. Et donc c'est lui qui m'a poussée. Donc je suis partie à Toulon avec deux valises, je ne savais même pas où j'allais dormir. Donc je suis arrivée d'abord à Marseille, où j'ai été logée chez des amis à mes parents, puisque Marseille-Toulon, il y a à peu près 45 minutes de train. Et là, donc, je suis arrivée mi-septembre à Toulon et dans la logique d'une recherche de logement. Voilà. Mais l'école qui te proposait de faire préparer ce diplôme ne mettait pas à ta disposition de chambre ou de... Non, tu devais te débrouiller toute seule. Et puis il était vraiment tard pour faire des demandes. Donc tu n'avais pas de délai, Donc tu as quand même joué le jeu. C'est ça. Okay. Et puis il était tard pour faire des demandes en résidence universitaire, parce que septembre, c'est trop tard. Hein. Tout à fait. Donc, alors j'ai la maison de l'étudiant, hein, c'est un endroit qui existe pour tous les jeunes, hein, et qui est un tremplin aussi pour tous ceux qui arrivent dans une nouvelle ville. Donc je me suis rendue d'abord à l'office du tourisme à Toulon, où j'ai pris une carte de la ville évidemment pour essayer de comprendre les quartiers où je pouvais loger par rapport à l'université. Ensuite j'ai été à la maison de l'étudiant où tous les particuliers qui mettent à disposition des chambres pour des étudiants ou des logements ou des appartements mettent il y a une liste en fait. Et là donc j'ai récupéré la liste des logements, sachant que la dame la secrétaire de la maison de l'étudiant m'a dit, vous savez, on est déjà le 10 septembre, ça va être difficile pour vous de trouver un logement. L'université, je m'étais rapportée de l'université, il m'avait dit, bon, si vraiment vous ne trouvez rien, venez nous voir, on verra ce qu'on peut faire. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur une dame dont le mari était prof de sport en Guadeloupe. Donc il revenait des Antilles de vacances et elle n'avait pas eu le temps de mettre en location le studio qu'elle louait dans son jardin. Et du coup, quand j'ai fait la visite, ils ont été touchés de voir une petite Antillaise. Ça leur rappelait leurs années aux Antilles. Donc, ils m'ont tout de suite pris. Donc, j'ai eu cette chance en 2 jours de trouver un logement. Enfin, voilà. Et tu n'étais pas loin de l'université. De l'université. Alors, tu m'as dit quel était le nom de cette université? ISITV. Donc, c'est Institut ISITV. Voilà. Institut des sciences. Des sciences. De l'ingénieur de Toulon et du Var. Sciences de l'ingénieur. Donc, tu t'embarquais dans une aventure pour ingénieur en matériaux. Ingénieur en matériaux. On n'a pas bien compris ton engouement pour les matériaux. Mais c'est la chimie, en fait. Hein. C'est la chimie. C'est la chimie. C'est la chimie. Ça, c'est la chimie. C'est vrai que dans le choix du DUT, ça n'a pas vraiment été un choix, puisque tout ce qui était chimie, finalement, il y avait mesures physiques ou sciences et génie des matériaux. Et puis, il y avait la partie physique, plutôt physique, il y avait tout ce qui était plutôt énergétique et climatique. Donc, comme je l'ai dit, le choix s'est orienté sur les universités qui m'avaient accepté, qui avaient accepté mon dossier, sachant que j'avais déjà quand même planté 2 années. Hein. Donc, je n'avais pas un dossier formidable à présenter. Et donc, le choix de la chimie s'est fait un peu comme ça. Donc, à Toulon, tu commences mon école d'ingénieur. Ton école d'ingénieur. Qui me paraissait totalement atypique. Qui me paraissait si inaccessible, finalement, parce que pour moi, je n'étais pas assez intelligente pour faire ça. Donc, ma première année, je m'en rappelle très bien. Et puis, beaucoup de personnes qui sortent de prépa. Moi, j'étais acceptée sur dossier, donc je n'ai pas passé de concours. Et puis cette première année où je me retrouve avec des jeunes finalement qui sortent du lycée, puisque eux, ils viennent de prépa. Tu as 2 ans de plus qu'eux.
Un an. Et puis finalement, je pensais me retrouver parmi les personnes les plus âgées de la promo. Mm-hmm. Et finalement, non, il y avait des gens qui étaient même plus âgés que moi. Mm-hmm. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas atypique de rater une année ou deux dans un parcours universitaire. Oui, tu avais eu ton bac très jeune aussi. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc, cette première année d'école où finalement je me revois deux années, voire trois années, quatre ans même en arrière. Mmh. Parce que dans un milieu si fermé que les écoles d'ingénieurs, avec cette élite qui croit qu'elle est une élite finalement, puisqu'on les conditionne comme ça. Mmh. Qui s'enferment, donc on ne fréquente pas beaucoup les gens de l'université, on est plus intelligent qu'eux. Oui. On nous fait croire qu'on est le futur de demain, que. Enfin, on est un peu conditionné dans ce type d'école, et avec des gens qui sortent du lycée, comme je dis, donc qui se retrouvent comme si c'était en première année d'études, donc c'est-à-dire l'envie de liberté, l'autonomie, le premier appartement, les sorties, les soirées, en fait tout ce qu'on mm-hmm. connaît quand on commence ses études la première année. Et je me sentais un peu en décalage avec ça, oui, puisque j'avais déjà 4 ans. Vécu tout ça. J'avais déjà 4 ans après le bac. Mm-hmm. Donc, ça a été une expérience où je me suis sentie pas vraiment à ma place. Mmh. J'ai fait donc ces trois années d'école dans ce contexte. Mais sans difficulté, Sans difficulté. Donc, il y avait le mythe, c'était... Le mythe. Alors, les mathématiques, c'est pas mon truc, je le dis. Hein, c'est une matière où je n'ai jamais eu des notes extraordinaires. Donc, même au bac, j'ai eu 7. Dans mon DUT, je m'en suis tirée avec un petit 12, et puis ça ne m'a pas empêchée de faire une école technique, quoi, c'est ce que je veux dire. Hein. Mm-hmm. Donc j'ai trimé, j'ai ramé pour essayer d'avoir au moins la moyenne en mathématiques pendant ma première année d'école. Mm-hmm. Donc j'y travaillais sûrement plus que les autres. Mais ça m'a permis d'accéder à ma deuxième année. Et une fois que j'étais en deuxième année, il n'y avait plus de mathématiques, c'était essentiellement de la chimie et de la physique, donc j'étais sauvée. Oui, tout à fait. Voilà, donc, et l'expérience de l'école d'ingénieur, ça a été quelque chose de particulier. Donc, au bout de 3 ans, tu sors de l'école avec ton diplôme et tu es ingénieur. C'est ça. Et tu t'es appelé, ingénieur en matériaux et vieillissement de matériaux ? Non, en matériaux. En matériaux, voilà. C'est tout. C'est ça. Donc, ça existe un diplôme qu'on peut encore préparer, c'est qui a ce titre-là. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a, le contenu, en tant que professionnel, le contenu de cette formation-là. Hein. Mais pour le moment, donc, quand tu quittes cette école-là, avec ton diplôme en poche et... Et il faut trouver un boulot. Alors, pendant ma période d'école, on a des stages obligatoires. Alors, comme je venais de DUT ma première année, on nous fait une mise à niveau, on n'a pas de stage. Donc, on fait une mise à niveau, mm-hmm. puisqu'on suppose que les gens qui viennent de BTS ou DUT n'ont moins de niveau que les gens qui viennent de prépa. Mm-hmm. Donc, on a 2 mois de mise à niveau pendant que les autres sont en stage. Deuxième année, il y a un stage, ils appellent ça le stage technicien, puisque la première année, c'est le stage ouvrier. Et mon stage de deuxième année, je l'ai fait à l'étranger, en Inde. Mmh. Où j'ai fait trois mois de stage dans une usine qui fabriquait des résines. Mmh. Donc, j'avais fait mon stage donc, en Guadeloupe de DUT dans une usine qui fabriquait de la peinture et des vernis. Et là, je me retrouvais à faire un stage dans une entreprise qui fabriquait des résines pour mmh. fabriquer des plastiques, en fait. Mmh. Donc, dans de la formulation. Dans quel pays en Inde tu as fait ça? Alors, dans l'état de l'Andhra Pradesh. Mmh. J'étais dans la ville d'Hyderabad, hein, qui est la capitale, oui, tout à fait, oui. Qui est dans le centre de l'Inde. Mmh. Et ça a été une expérience incroyable. Oui, mais je dis à nos jeunes de s'ouvrir aussi sur l'Inde, puisque c'est quand même plus facile aussi d'accéder à des fonctions aussi, aussi pointues, en tout cas d'avoir des stages, etc. Donc tu fais 3 mois de stage en Inde et tu reviens en France. Je reviens en France. Alors quand je suis rentrée de l'Inde, j'ai eu un désir incroyable de rentrer chez moi. Alors j'ai fait une demande exceptionnelle à mon directeur de formation. Chez toi, c'est ? À l'école, hein, à l'école d'ingénieur. Donc de rentrer en Martinique. En Martinique. De rentrer en Martinique, parce que je n'ai toujours pas compris que chez moi, ce n'est plus la Martinique.
C'est plus la Martinique. Il m'a fallu quelques années pour comprendre que ce n'était plus mon chez-moi, comme au sens de la maison, l'endroit où on rentre tous les soirs, en fait. Et donc, j'ai fait une demande exceptionnelle à mon directeur de promotion, en lui disant, j'ai fait un courrier en lui disant, bon, moi j'ai passé 3 mois à l'étranger, est-ce que je peux rater 2 semaines de cours, en fait, à la rentrée scolaire, pour pouvoir me permettre de rentrer chez mes parents. Donc là, je rentre en Martinique. 2 semaines, revoir la famille, les amis, enfin, ma vie d'ici. Mmh. Et puis, beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions parce que je revenais d'un stage, finalement, avec une vie très simple, avec un regard. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie, moi, Solveig. Mmh. J'ai senti les gens qui me regardaient pour ce que j'étais, non pas pour la façon dont je suis habillée, coiffée, maquillée, fait l'apparence, quoi. Mmh. Et c'est vrai que quand je suis rentrée donc en 2003, j'avais 23 ans, donc bien sûr, les copains, on veut sortir, on va en boîte, on va danser, puisqu'on a ça dans le sang, hein, on a envie de reprendre ses repères. Beaucoup de déceptions, parce que je me suis dit, notre jeunesse, elle est perdue. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé que cette vie d'apparence, cette vie de, comme on peut dire maintenant, de bling-bling, quoi, de baser sur des choses qui sont sans fond, finalement. Se vouloir se montrer, cette image. Et je me suis sentie en décalage. Je me suis sentie en décalage. Et quand je suis repartie en France donc, pour poursuivre mon année, ça m'a fait quelque chose parce que j'avais jamais eu cette image. Tu n'avais pas de distance pour le voir. C'est-à-dire, tu avais mûri entre temps. Enfin, tu avais vécu aussi d'autres choses qui t'ont appris peut-être à voir l'essentiel. C'est ça. Et c'est vrai que cet aspect matérialiste et superficiel de la jeunesse, ça m'a sauté aux yeux, en fait. Mm-hmm. Ça m'a sauté aux yeux. Et puis, alors, quand j'ai été en troisième année, donc on a un stage de fin d'études à faire, un stage de 6 mois, j'ai fait un stage, donc j'ai trouvé un stage en local, j'ai trouvé un stage donc à Marseille, dans un bureau d'études. Pas loin de Toulon. Donc. Voilà, pas loin de Toulon. Mmh. Le directeur de cette entreprise, c'était un de mes professeurs à l'école d'ingénieur. C'était un intervenant extérieur qui venait nous dispenser nos cours de peinture et vernis d'ailleurs, et qui lui dirigeait donc un bureau d'études en corrosion et en environnement. Donc j'ai fait 6 mois de stage sur un sujet sur le vieillissement des bétons, et vraiment là, ben, on est en fin d'études, donc forcément on est censé adapter un comportement plus mature, on est à s'intégrer dans une équipe, et puis intégrer une équipe en tant que femme dans un milieu technique. Donc ça a été une très belle expérience, une très très belle expérience, puisque c'était la transition entre l'école et le monde du travail, finalement. Puisque là, et 6 mois, ça te laissait vraiment du temps pour apprendre. Et la chance que j'ai eue avec donc mon premier patron, je peux dire, parce que ça a été mon premier patron, il qui m'a dit, quand j'avais commencé mon stage, mais là, c'est fini, tu n'es plus une étudiante. Maintenant, tu es ingénieur, même si je n'avais pas encore le diplôme, puisqu'il faut valider le stage pour avoir le diplôme. Mais il m'a dit, là, tu ne retournes pas à l'école. Là, ton stage, c'est la fin de tes études. À la fin de l'année scolaire, tu seras diplômée. Maintenant, tu dois adopter un comportement qui soit celui-là. Donc il m'a donné confiance en moi, il m'a rapidement, même en stage, confié des tâches. Des responsabilités. Voilà, bien sûr, il m'a intégré complètement dans l'équipe. Et puis, beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie. Et, ça fait peur au début? Ah oui, bien sûr. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que le monde du travail. Même si j'avais fait beaucoup de petits boulots qui m'ont appris beaucoup dans le relationnel aux autres, dans le monde professionnel. Mais quant à l'exercice de mon métier d'ingénieur, je n'en avais aucune idée. Je me disais, mais comment je dois être? Quelle est la rentabilité que je dois avoir? Le nombre d'heures? Enfin, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas où on va. Et ben, les choses se font petit à petit. Alors, on essaie des choses, on essaie de faire des rendus. Et puis, en bureau d'études, on écrit beaucoup. C'est beaucoup
de rapport. Des rapports, c'est de l'étude, donc il y a de l'expression, il y a l'anglais, puisque dans un milieu technique, on utilise beaucoup l'anglais. Donc voilà, donc, j'ai été son assistante quasiment pendant ces 6 mois. En oui. chantier, sur le terrain, en études, chez des clients, sur des projets, au fil du temps. Mmh. Et puis après, mon stage s'est terminé donc, au mois d'août. Et puis en septembre, j'ai soutenu, j'ai soutenu mon mémoire de stage. Et tu avais ton titre. J'avais mon donc, titre. Donc, tu étais officiellement ingénieur en matériaux, c'est voilà. ça ? Voilà. D'accord. Recherche donc, d'emploi. Ça, c'est en quelle année, ça ? En 2004. En 2004. Alors, juste un petit break sur tes amis, alors. Donc, tu viens, tu te sens en décalage avec ces amis-là et tu vois, donc, tes pères, c'est-à-dire les gens de ta génération, tu les regardes avec des yeux un peu qui ont changé. C'est ça. Et ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la rupture ou tu les gardes quand même? Non, bien sûr. Tu les gardes, mais tu sens encore ce décalage? Non, je pense qu'avec les années, on a évolué, nous avons aussi évolué chacun oui. de façon différente, certes, puisque chacun nous avons eu nos propres expériences. Oui. Mais c'est vrai que je me rappelle à cet âge-là, je ne parle pas forcément de mes amis proches ou des gens que je fréquentais, oui. mais de la jeunesse en général. Parce que quand je me suis retrouvée en soirée, quand je me rappelais que quand j'étais au lycée, quand on avait 15 ans, quand une fille mettait une mini-jupe, on était forcément une fille un peu facile. Oui. Et qu'on se retrouve dans un contexte... où c'est la mode tout d'un coup. Où il y a beaucoup de liberté finalement qui arrive d'un coup. Et puis je ne vis plus ici, donc je suis pas avec le rythme. D'accord. Je n'ai pas suivi l'évolution. Mmh. Enfin, même si on vient de façon sporadique pour les vacances ou autre. Et puis, oui, ce m'as-tu vu, c'était quelque chose qui m'a supporté en fait. On se rend en soirée. Et tu arrives à... C'est facile d'en parler aux nôtres, de leur dire voilà, je vous trouve m'as-tu vu, ou je trouve que vous êtes superficielle. Mais j'en ai pas parlé. Tu n'as pas parlé. Non, j'en ai pas parlé. Mais est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Je pense que c'est une prise de conscience individuelle. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'avec l'âge, avec le temps... On peut paraître prétentieux de vouloir dire ça aux gens. Je pense que oui. Mm-hmm. Et puis c'est peut-être déplacé. Mm-hmm. Mais je pense que chacun, dans notre propre chemin de vie, on réalise les valeurs de la vie. Mm-hmm. Donc c'est sûr, quand on est jeune, on porte beaucoup d'attention à son apparence, surtout aussi dans notre culture. Peut-être que c'est pas voilà, peut-être que les jeunes sont à l'image de notre société, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui accordent non. beaucoup d'importance à l'apparence. On dit tout le temps d'ailleurs chez nous que c'est ce qui compte d'abord. Ça mais c'est l'image qu'on renvoie de premier abord à l'autre. Oui, parce que ça a une histoire qu'on n'a pas pris le temps d'étudier. Mais enfin, moi qui suis dans la sociologie culturelle, je travaille sur ces aspects-là. Donc on sait d'où ça vient, on peut l'expliquer sociologiquement. Mais c'est vrai que dans le relationnel, au quotidien, les gens qui nous voient, ou nous-mêmes en décalé, parce que j'interrogeais sur ce même plateau Madame Mauduesch qui fait les films, des films sur notre histoire. Et elle a un pied en France, un pied à la Martinique, et elle a aussi cette vision. Enfin, elle me disait que c'est les Antillais de France lui disaient qu'ils avaient du mal à renouer ou à entretenir des relations, on va dire, normales avec les gens restés au pays. Parce que tout d'un coup, quelque chose s'était produit qui leur faisait voir ces gens rester au pays différemment. Et donc, ils leur trouvaient en général des défauts ou alors des incompatibilités qui s'installent du fait que le regard décalé qu'on pose sur notre société quand on y revient fait que il est disharmonieux, et la relation entre nos deux catégories de population, ceux qui sont sortis et ceux qui sont restés, ou celles qui sont restées et celles qui sont parties, crée des frictions. Et je pense que c'est une chose qu'il faut étudier, puisque beaucoup d'Antillais s'en vont et beaucoup reviennent aussi, même si, comme tu disais, c'est sporadique. Mais il y a là une vraie problématique sociologique qu'on ne comprend pas
pas le temps d'étudier. Mais ces frictions expliquent les tensions qu'on retrouve dans les discours, dans les relations parents-enfants, et notamment d'enfants qui partent et qui ne reviennent pas voir leurs grands-parents, qui font des enfants en France, que les grands-parents découvrent quand les enfants ont 10-15 ans. Mmh. Hein, il y a énormément de foyers maintenant, de jeunes Antillais, qui n'entretiennent pas de relation avec leurs parents. Et les petits-enfants ne connaissent pas leurs grands-parents. Donc ça, il y a une vraie problématique derrière ça. Alors, donc, en 2004, tu as le diplôme en poche et tu cherches du travail. Oui. Alors, c'est là que l'aventure peut nous intéresser. Alors, chers téléspectateurs, bien sûr qu'il faut qu'on écoute Solveig pour qu'elle nous raconte, parce que Solveig, c'est une enfant du pays et c'est elle, par son expérience, qui peut aussi donner des idées à nos autres enfants qui ont envie de tenter l'aventure. Mais on comprend qu'il n'y a pas nécessairement tout le temps des déterminations, des préparations, des savoirs ou des connaissances qui sont sûres. Parfois, on avance à tâtons. L'essentiel, c'est peut-être aussi parfois de faire les bonnes rencontres et de continuer son parcours et de se surprendre soi-même à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire et qu'on finit par faire, et puis on finit par devenir utile et peut-être à être un exemple, à se situer un modèle, un exemple pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. Donc la question de la confiance en soi pour entreprendre, puisque nous avons quand même cette problématique chez nous, pour notre jeunesse qui nous préoccupe beaucoup, et bien voilà, parfois c'est quelque chose de l'ordre d'un tâtonnement qui nous fait avancer, et on doit pouvoir laisser ce tâtonnement se faire sans aller vouloir qu'on ait pris des décisions à l'avance et qu'on ait des convictions qui sont aussi des enfermements. Et l'exemple de Solveig en ce sens-là est très intéressant parce qu'elle nous explique, c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter, elle nous explique comment elle a eu un parcours semé d'embûches, et en même temps elle n'a jamais fermé aucune porte, et même quand elle a eu du doute, elle a laissé les portes ouvertes, et puis finalement elle en a trouvé une dans laquelle s'engouffrer ou à travers laquelle passer et pour aller plus loin. Voilà. Donc en 2004, Solveig, tu as ton diplôme en main et tu veux travailler. Voilà. Alors là, je me dis, durant mes études, j'ai fait suffisamment de petits boulots, hein, toutes sortes de petits boulots qu'on peut imaginer, hein, femme de ménage, emballage de plateau repas, j'ai fait beaucoup de choses, serveuse. Et là, je me dis, je refuse de m'inscrire dans une agence d'intérim en attendant. Et je veux vraiment trouver un travail dans ma branche et avec le diplôme que j'ai en poche. Donc là, l'aventure commence avec la recherche d'emploi. Mmh. Rédaction de CV, rédaction de lettre de motivation. Et donc, un mois de septembre, où on ne sait pas où on va finalement. Oui. Et puis on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Oui. Et puis comment se vendre alors qu'on ne sait pour l'instant pas faire grand-chose. Oui. Donc, alors mon patron que j'avais eu en stage de fin d'études me passe un coup de fil début octobre et me dit « Solveig, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as trouvé du boulot? Est-ce que je peux t'aider ?» Alors je lui dis « Écoute, j'ai toujours pas trouvé de boulot. » Et il me dit en ce moment, on a un projet, on a quelques difficultés, parce que c'était une petite équipe. Hein, on aurait des documents techniques à traduire en anglais, il faudrait traduire tous nos rapports en anglais. Est-ce que ça t'intéresse? C'est pas vraiment très intéressant, mais vu que tu fais rien, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Alors je lui dis oui, pourquoi pas. Donc le lundi même, donc il m'appelle un dimanche, hein, le lundi même je commence à Aix-en-Provence. Donc je reviens donc dans le bureau d'études où j'ai fait mon stage et je commence à traduire des documents. Et je fais ça pendant à peu près 2 ou 3 mois. Donc c'est pas très, effectivement pas très intéressant comme mais je travaille. Donc j'étais si heureuse de travailler que je travaille. Et puis au bout de ces 3 mois, il vient me voir, il me dit « Écoute, on a obtenu un projet.
on a obtenu un projet en région parisienne pour de la dépollution de sol et du traitement de sol, puisqu'on avait une activité, ce bureau d'études avait une activité environnement. Et il nous faudrait quelqu'un sur le terrain pour suivre les travaux de diagnostic de sol et de dépollution de sol. Est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Alors, vu que j'ai une formation en chimie, effectivement, en termes de compétences, ben, j'avais la compétence et la méconnaissance pour l'instant du terrain. Donc, je lui ai dit, ben, bien sûr, ça m'intéresse. Donc là, je pars pour quelques mois en déplacement professionnel. Donc là, donc premier contrat. Donc premier déplacement professionnel. Voilà. Donc d'accord. Premier contrat, hein, le premier contrat, oui. Contrat de chantier. En bureau d'études, on fait des contrats de chantier. Dans la région parisienne. En région parisienne. D'accord. Donc je me retrouve dans le 13e arrondissement de Paris, dans la région des Grands Moulins de Paris, où toute cette zone est réhabilitée. Oui. Et à faire du diagnostic de sol, donc des prélèvements de sol, envoi en laboratoire, suivi des camions d'extraction des sols pour le traitement en filière, donc complètement en environnement, et je fais ça plusieurs mois. Et un boulot parfois difficile, puisqu'on travaille en extérieur, dans le froid. Oui, c'est ça. Donc voilà, et j'ai commencé mon aventure donc, avec ce bureau d'études comme ça, et ça a duré 7 ans. Ça veut dire, c'est avec ce bureau d'études-là. Avec ce bureau d'études. D'accord. Mais tu es fixée à Marseille. Voilà, donc le bureau d'études était au début à Aix-en-Provence, ensuite a été délocalisé sur Marseille. Marseille, oui. Et puis au fil des années, ben, quand j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'études, et puis après, mon patron qui avait un certain âge a commencé à penser à la reprise de sa société. Donc là, effectivement, par défaut, j'hérite de plus en plus de responsabilités puisque je suis la seule qui a la compétence en corrosion. Puisque comme je disais, c'est un bureau d'études en corrosion et en environnement. Donc par défaut, c'est un peu moi qui prends le relais sur les dossiers, qui prend un peu le relais sur tout. Donc lui, il commence à s'éloigner de plus en plus, pense à la reprise. Et puis en 2009, le bureau d'études est racheté. 2008-2009, je ne me rappelle plus exactement. Mmh. 2008-2009. Et là, je me retrouve carrément responsable de département corrosion. Mmh. Voilà. Avec un nouveau patron. Avec un nouveau patron. Oui. Et oui. D'accord. Et là, c'est une aventure différente qui commence. Et difficile. Et difficile. D'accord. Parce que je sors de management plutôt paternaliste, avec un homme qui s'est formé en autodidacte. D'accord. Et je tombe dans un management financier, avec un homme qui ne vient pas avec de un la jeune patron, un jeune patron qui ne vient pas de la technique, mais qui vient de la finance. De la finance. D'accord. Et puis donc l'aventure avec ce nouveau patron va durer pas trop longtemps, c'est non. ça, d'accord. Et qui était un collaborateur, hein. Il était collaborateur voilà, du bureau d'études initialement, donc on se connaissait. Mais une fois qu'il a été à la direction de la société, il y a eu beaucoup d'opposition. Voilà, tu lui apparaissais comme une concurrente ou bien. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et puis le manque de reconnaissance. Oui. Et je pense que là, c'est ma condition de femme vraiment qui faisait tâche sur le d'accord. tableau. Parce que le management était essentiellement masculin. Mmh. Voilà. Oui, dans ce milieu-là, ça reste. Un... Et ça, c'est ça aussi l'intérêt de ton expérience, c'est que justement, tu es un petit bout de femme et on dit, voilà, elle est dans un milieu d'hommes, comment elle va s'en sortir ? Comment, qu'est-ce qu'elle va poser comme. Comme base pour établir des relations avec ce milieu macho. Bon, quand il n'est pas paternaliste, il est macho, machiste. Voilà. Alors, comment elle va s'en sortir ? Donc, du coup, ce qui est intéressant pour les téléspectateurs, c'est que tu vas être amené à créer ta propre société. C'est ça. Donc, et actuellement, tu es gérante de ta propre tout société. À fait. Donc, tu es restée dans le même cabinet ou dans la même région ? Dans la même région, oui. D'accord. Et puis donc, c'est-à-dire à Marseille. Et là, c'est tu ça. As créé une société qui t'appartient, que tu gères. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, comment la transition s'est faite ? Alors, j'avais compris effectivement que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, j'ai essayé parce que je croyais vraiment dans le potentiel de cette société parce que je me disais que vu les compétences réunies, que je faisais partie du management... Mmh. Je projetais aussi le futur de la société. C'était mon emploi.
Donc c'était aussi la pérennité de mon emploi, de projeter la société dans laquelle j'évoluais. Et tu aimais ce que tu faisais, c'est ça ? Bien sûr. Oui. Et je me suis beaucoup, beaucoup investie, évidemment. D'accord. Parce que tu as beaucoup voyagé, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on comprenne dans quel cadre tu l'as fait. Hein ? C'est ça. En fait, dans cette société qui était... Attends, ta société, tu l'as créée en quelle année ? En 2011. C'est un bureau d'études spécialisé en matériaux et vieillissement de matériaux. Voilà. Et tu travailles sur plusieurs matériaux, au moins 4 ou 5. C'est ça. C'est ça ? C'est-à-dire quand il y a des problématiques de terrain qui concernent des matériaux de cela, tu as parlé d'acier, composite et polymère, bois, béton, tu es spécialisé dans ces domaines. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, sur le bois, si tu interviens sur un chantier ? Alors aujourd'hui, bois, ça serait quoi ? Le bois, c'est un peu nouveau comme matériau de construction. Ou bien le béton, par exemple, voilà. Ça serait quoi ? Donc c'est vrai que... Alors deux axes principaux, donc le premier axe c'est tout ce qui est le choix en fait, du matériau par rapport à son utilisation, et le deuxième axe c'est comment assurer sa pérennité dans le temps, comment le protéger pour qu'il dure. Donc il y a une vraie problématique environnementale et de développement durable. Alors les métiers dans lesquels nous évoluons sont divers et variés puisque on utilise des matériaux dans tout type de construction de... Alors, nous travaillons dans l'industrie classique, dans la pétrochimie, donc tout ce qui sera raffinerie, tout ce qui sera offshore, donc aussi tout ce qui est production de pétrole. Nous évoluons aussi dans tout ce qui est énergie, donc les centrales énergétiques, par exemple. On travaille... Centrales nucléaires ? Par exemple, centrales nucléaires ou thermiques. Oui. Et sur les plateformes d'extraction du pétrole, voilà, en pétrochimie. En pétrochimie. Okay. On travaille aussi pour le traitement d'eau, tout ce qui est installation pour le traitement d'eau. Alors, nos métiers, donc c'est le diagnostic, faire du diagnostic en disant quelles sont les conditions des installations, à quel stade de corrosion ou de vieillissement sont-elles, quelles méthodes pour les maintenir. Et comment faire un plan de maintenance pour les entretenir dans le temps. Et dans ton bureau d'études, tu reçois des commandes qui portent sur tous ces domaines ? C'est ça. Oui, d'accord. Vous êtes une équipe de 4 ? De 4 personnes. D'accord. Donc la transition en fait avec la création, alors j'étais en souffrance. Oui, j'étais en souffrance là où je travaillais. Je savais que, donc je me suis obstinée à vouloir que ça marche, mais quand quelque chose ne fonctionne pas, ben on se détruit. Donc la limite de la dépression, vraiment. Donc j'étais pas dans une phase intéressante de ma vie à ce moment-là. Donc en 2010, cette année a été une année très difficile puisque plus l'envie d'aller au travail. Et puis aussi j'étais écartée. Écartée dans le management, écartée par la pression. On m'a mis la pression pour rentrer dans le moule, et ce que je n'avais plus envie. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais ? Donc maintenant, il est temps de retrouver un travail. Donc, retour dans la démarche de recherche d'emploi. Donc, j'ai passé des entretiens dans des grands groupes, des grands groupes comme Total, comme Lafarge, et je ne me voyais pas dans un management dilué, puisque effectivement avoir eu travaillé dans une petite structure avec un management disponible et accessible, il est difficile, et puis avec beaucoup d'autonomie, donc il est difficile de se retrouver dans une grande structure, et puis je ne me voyais pas travailler à Paris, la Défense non plus. C'est un jour que j'étais chez un de mes clients que je suis depuis le début de ma carrière, qui me dit, écoute Solveig, ça fait des années qu'on travaille avec toi, on ne sait même pas qui est ton nouveau patron, est-ce que tu as déjà réfléchi à te mettre à ton compte ? Que si tu le fais, nous on serait prêts à te suivre, de toute façon c'est toi qui nous suis. Et là, ça m'a fait réfléchir. Le déclic. D'accord. Le déclic et les doutes qui vont avec. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je vais pouvoir en vivre ? Le risque financier, puisque bon, après le fait de ne pas avoir de famille m'a aidé à faire ce choix, puisque je me disais le risque est faible. Enfin, tu n'étais pas mariée, voilà. Tu n'avais pas d'enfant, donc ça facilitait. Je n'engage que moi-même finalement. C'est ça, réflexion pendant plusieurs mois quand même, ça a duré 6 mois. Ah oui. Et là, j'ai donné ma démission.
J'ai donné ma démission. J'ai écrit mon courrier de démission, d'ailleurs, en mission en Martinique. D'accord. J'étais en mission en Martinique au mois de septembre 2010, sur le port de Fort-de-France. Et j'ai rédigé mon courrier ici. Donc, tu acceptais l'offre de tes anciens clients. Voilà, je me suis dit… Enfin, l'idée qui avait germé à la suite de cette entreprise. Donc là, la démarche de création qui commence. Ok. Sans laisser transparaître effectivement à ma direction que voilà. Mon futur, ce que j'envisageais, puisque moi-même, j'en étais pas encore certaine non plus. Donc là, alors ça a commencé par l'information. Où là, mon ancien patron, donc celui qui avait vendu, a été un support incroyable parce qu'en plus, dans l'école, mon école d'ingénieur, il animait aussi le pôle création d'entreprise. Mmh. Donc, il m'a beaucoup soutenue. Mmh. La rédaction des statuts, trouver un comptable, enfin, on se pose 10 000 questions. Puis moi, une société, c'est une société anonyme ou qu'est-ce c'est que c'est? Une SARL. Une SARL, d'accord. Donc, la démarche de création, une étape cruciale, hein. Mais oui. Une étape cruciale où on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment faire. Et puis, j'ai une formation technique, je connais bien mon métier, mais je ne suis pas une gestionnaire. La gestion n'est pas mon métier, donc tout était de la découverte. Mmh. Quels moyens financiers, quels moyens matériels, une étude de marché. Donc, j'ai fait le choix de ne pas faire de financement extérieur. Je me suis autofinancée avec toutes mes économies. Mmh. Et j'ai eu la chance d'être entourée, voilà. D'être entourée et d'avoir le soutien de beaucoup d'entrepreneurs avec qui je travaillais finalement. Mmh. Et de d'autres entrepreneurs. Qui avaient confiance en toi parce que c'est ton ça. Travail avait payé. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais pas seule, voilà. Mmh. Parce que souvent, dans la création d'entreprise, on peut se sentir seul. Mais c'est vrai, il faut se dire qu'on n'est pas seul. Parce que la démarche, vraiment, j'ai été soutenue par tous les entrepreneurs avec qui je travaillais, des petits aux grands, m'ont vraiment tous soutenue, quoi. Mmh. Et donc, mois de décembre arrive, donc fin de contrat, puisque j'ai quand même fait mes 3 mois de préavis alors que je ne m'attendais pas à les faire. Oui. Je pensais pouvoir partir de suite, parce que vu que quand on fait partie d'un management, souvent on nous dispense des 3 mois de préavis puisqu'il y a trop d'enjeux financiers. Donc tu démissionnes. Je démissionne. Et tu as 3 mois de préavis. Voilà. Et ta société est déjà en train de naître. Voilà, donc rédaction des statuts, il faut trouver un nom. Oui. Ça, c'était très difficile aussi, il fallait trouver un nom, c'était une aventure, ça. Et le nom, c'est quoi alors? Alors, ma société s'appelle Corolle Engineering. Corolle Engineering, il fallait rester dans l'anglais puisque tu as une clientèle internationale. C'est ça. Ok. Et Corolle, pourquoi? Alors, Corolle, corps pour corrosion, mmh. Et all pour tout hold, tenir, mmh. Maintenir en anglais. D'accord. Donc, au début, ça devait se dire Corolle, et je n'aimais pas du tout la consonance anglo-saxonne, mmh. Donc j'ai enlevé le D pour apporter aussi une petite touche féminine dans ce métier. Oui, d'accord. Donc, tu as créé Corolle Engineering. En 2011. Avec combien de personnel? Toute seule. Tu l'as fait toute seule? Toute seule, voilà. Okay. Toute seule. Tu avais un local, ça s'est passé comment? Chez moi. Ah, tu l'as mon fait chez bureau, toi. D'accord. C'était ma domiciliation. Alors, comme on fait beaucoup de terrain et qu'on travaille en immersion chez les clients, mm-hmm. La nécessité d'avoir une infrastructure n'était pas ouais. Indispensable. C'est ça. Donc, peu de moyens, puis une société de service, donc pas beaucoup de matériel. Oui. Donc, j'ai déposé mes statuts le 11 janvier 2011 mmh. Et j'avais déjà ma première commande. Waouh. C'était tes anciens amis? Alors, je travaillais sur un projet avec un monsieur, avec qui je travaillais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qui a 75 ans et qui continue à exercer, qui mmh. est un retraité d'un grand groupe, mmh. qui travaille en tant que consultant. Qui est retraité actif, puisque beaucoup de retraités aujourd'hui sont retraités actifs. Hein. Et ce monsieur m'a fait confiance. Il m'a dit, on a besoin de quelqu'un comme toi sur ce projet. Donc, c'était le projet de la Fondation Louis Vuitton à Paris, la construction de la Fondation Louis Vuitton, où j'assistais l'entreprise générale dans la protection des matériaux, tout ce qui était anti-feu et anti-corrosion. Mmh.
dans la rédaction des cahiers des charges, dans la réception des travaux, dans les audits des ateliers des sous-traitants. Et il m'a dit, écoute, nous on a envie de continuer de travailler avec toi, le boulot que tu as fait est satisfaisant, donc t'inquiète pas, la transition elle se fera naturellement. Donc il m'a épaulée. Mmh. Il m'a épaulée et il a fait passer ma société comme une lettre à la poste, on va dire. Ce que je comprends, finalement, tu as eu beaucoup, le lien intergénérationnel est très fort, mais ce sont beaucoup des personnes très âgées, des hommes essentiellement qui t'ont Exactement. Aidé. Exactement. Des hommes âgés qui t'ont c'est aidé. Vrai. D'accord. Et qui respectaient cette démarche entrepreneuriale, finalement. Non, mais c'est d'autant plus intéressant à analyser que donc, tu es une jeune femme. Mmh. Et que tu es dans un milieu complètement masculin, mmh. et qu'on n'est pas censé, quand on est âgé, je ne vais pas dire vieux, âgé, on n'est pas censé faire confiance à la jeunesse. C'est ce qu'on entend dans notre pays, beaucoup. Et voilà que toi, tu es dans un univers où ça fonctionne à plein. Alors, avec mon premier patron, je tiens à le nommer parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup, monsieur Arav. Oui. C'est un homme qui m'a donné beaucoup confiance en moi, qui m'a mis de là en avant quand j'ai travaillé avec lui, qui ne m'a jamais fait d'ombre, mmh. qui m'a toujours dit « tu en es capable mais tu ne le sais pas encore mmh. ». Et pour tous les projets sur lesquels j'ai travaillé avec lui, c'est ce qu'il a mis en avant. Donc il m'a jeté à l'eau pour que je puisse nager. Hein. En mmh. gros, c'était mmh. ça. Mmh. Mais j'avais la capacité de rebondir et d'adopter, de pouvoir évoluer dans ce mode de fonctionnement-là. Parce que tout ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment beaucoup de force mentale pour pouvoir faire ce genre de choses. Il m'a satellisé sur des projets à l'étranger alors que je ne savais même pas utiliser la machine que j'ai appris dans l'avion avec le mode d'emploi. Donc, développer ma capacité d'adaptation, en fait, finalement, c'est ça. Mmh. Et c'est quelqu'un qui connaissait aussi très bien les Antilles et qui me disait toujours, je suis très fière d'avoir une Antillaise dans mon équipe, une potomitan, comme on dit chez nous, mmh. et qui m'a fait confiance, vraiment. Mmh. Qui m'a la question confiance. De la confiance, elle est au centre de ton expérience. Tout à fait. Puisque sans elle, tu n'aurais pas eu... Ce qu'on voit bien, c'est comment se construit, parce que ton parcours, ta trajectoire, c'est elle qui peut inspirer, parce que ça n'a pas de... Beaucoup de gens font des expériences, mais dans ta trajectoire, on sent bien que rien n'est jamais défini à l'avance, mais que tout se construit à mesure que tu avances, et que tu avances avec des gens qui n'ont qu'un mérite, c'est de te faire confiance. C'est ça. Et de te faire confiance pour des choses qui sont, quand on entend ces mots-là, qu'on voit les ingénieurs sur des plateformes, etc., avec des casques, on a vraiment l'impression de super mal. Et puis là, on voit une petite femme qui fait la même chose, et qui n'en impose pas, et puis qui est probablement compétente, parce que la question de la confiance, elle ne marche pas sans celle de la confiance. C'est parce que, d'une certaine façon, il y a la contrepartie que tu donnes. Et cette contrepartie, c'est probablement une application, un travail bien fait et surtout une audace. Tiens, on me propose ça, est-ce que je vais savoir ? Oui, oser. Je ne recule pas. J'ai beaucoup osé. Je ne recule pas, au contraire, on me tend la perche, mais j'y vais. Ça, c'est une posture qui est très encourageante aussi, qui fait qu'on va continuer à t'encourager puisque tu fonctionnes. Hein ? Donc j'ai osé, Pardon. C'est vrai, j'ai osé, avec les doutes, hein, bien sûr, parce que les doutes, on les a, il ne faut pas croire qu'on saute comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire même dans le doute, on ne ferme pas, on ne se ferme pas, et puis le doute ne nous submerge pas, ou ne t'as pas submergé, tu as eu l'audace, c'est ce que j'appelle l'audace, de relever le défi, parce qu'en fait, c'est ça. Donc, c'est psychologiquement, tout ça, c'est très intéressant. Et puis, j'avais besoin de reconnaissance dans mon milieu professionnel. J'avais besoin de cette reconnaissance que je n'avais pas sous ma nouvelle direction. Et je l'ai eu à travers mes clients, finalement. Mmh. À travers mes clients, comme tu dis, qui m'ont fait confiance. Et qui m'ont permis de développer mon business, finalement, c'est une relation humaine. Tout à fait. Parce que la question de, qu'est-ce qui nous arrête et qu'est-ce que les autres nous mettent comme bâton dans les roues, souvent, on a des barrières hein, qu'on se met soi-même. Et puis, on voit que, c'est pas facile d'être une femme dans ton milieu. Mais on n'a pas l'impression que ça a été une entrave
ni que tu te sois focalisé là-dessus pour dire, eh bien, on ne va pas me permettre parce que je suis une femme, donc je ne vais pas oser aller dans ces directions-là. Tu l'as fait. Parce que tu as choisi un métier d'homme aussi à la base. Enfin, pas de métier d'homme, mais enfin, voilà, dans les stéréotypes professionnels, ton métier est classé métier masculin. Aujourd'hui, on sait que les stéréotypes éclatent, mais enfin, voilà, tu as cette démarche qui est tout à fait. Elle est toute en subtilité. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'analyser ça parce que, comme tu parlais des ingénieurs qu'on surprépare, qu'on surinvestit d'un sentiment de soi, qui est voilà, on est les ingénieurs, on mène la société, on a cette étiquette de personne, de groupe social très valorisé, et donc on se valorise même sans avoir jamais rien fait. Toi, tu as marché après ton titre. Tu l'as eu autrement et tu t'es investi de compétences avant de te la jouer, avant de jouer à l'ingénieur, etc. Donc ça, c'est une forme de modestie qui construit des choses beaucoup plus, donc, par étapes, mais qui sont beaucoup plus solides et enracinées dans quelque chose de, j'allais presque dire, de plus paysan. On construit, on plante d'abord pour avant de voir pousser. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est intéressant dans ton parcours. Et aujourd'hui, tu as ta société avec des collaborateurs. Oui. Et donc, tu as des marchés. Voilà. Tu as des marchés comme lorsque tu travaillais avec les autres. Donc, tu n'es pas en reste. On ne s'est pas dit, c'est une femme, voilà, c'est une Antillaise éventuellement. Donc, on se taille. Voilà. On va chercher des... Voilà. Donc ça a marché. À côté de ça, tu voyages beaucoup, puisque tes clients sont en Europe, en Afrique. Alors on suit nos clients. Tu suis la demande. Sont des groupes, la plupart du temps des groupes de construction ou des groupes de pétrochimie français. Oui. Et on les suit sur leurs projets à l'étranger, parce qu'effectivement aujourd'hui, avec le contexte de mondialisation et de développement. De développement à l'étranger, avec la délocalisation aussi, ben on se retrouve à travailler sur des projets à l'export. Qui sont voilà, très, très éloignés de ton bureau, même d'études. Et donc tu as des expériences en pétrochimie, par exemple Alors en pétrochimie, alors j'ai eu l'occasion de découvrir, par exemple, le Congo, hein, pour l'Afrique de l'Ouest. Ça a été... Alors, tout le monde me dit que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir comme premier pays d'Afrique le Congo, parce que c'est un pays très social, où les gens sont très accueillants, très accessibles, et puis qui n'est pas dans un contexte politique difficile. Il n'y a pas, pas de guerre civile, il n'y a pas de... Enfin, qui n'était plus, ça dépend, ouais. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a éclaté, la guerre. Bon, après, il y a la République du Congo et il y a le Congo. Voilà. Voilà. Et effectivement, ça a été une aventure incroyable, parce que c'était ma première expérience en mer, en plateforme, où, en plus, en tant que coordinatrice travaux, donc j'avais des ouvriers... locaux sous ma responsabilité pour réaliser des travaux particuliers dans un contexte de litige en plus sur des travaux qui n'avaient pas fonctionné, et donc les enjeux financiers étaient importants puisqu'il fallait refaire les travaux au coût de l'entreprise et essayer justement de minimiser les coûts et de tenir les délais pour refaire ces travaux. Donc ça a été une expérience assez intéressante, et puis la découverte de l'Afrique. Comment les Africains m'ont perçue. Et eux, ils m'ont perçue comme une blanche, vraiment. Donc, comme une femme, certes, mais comme une femme blanche. Voilà, donc ça, c'était un peu surprenant pour moi, puisque toutes les expériences que j'ai eues dans d'autres pays, soit en Asie ou en Europe, j'avais toujours été vécue... comme une femme de couleur, en fait. Donc là, pour la première fois de ma vie, on me disait que j'étais une blanche. Donc c'était assez surprenant pour moi. Dans quel sens, tu veux expliquer? Parce que je ne m'identifie pas comme étant une femme européenne. De par ma culture, de par mon éducation,
et de par ce que moi je ressens que je suis en fait, mon identification, je me sens vraiment comme une femme noire. Donc ça a été une découverte, une découverte, un nouveau regard sur moi qui m'a permis aussi de me poser la question de mon métissage, comment finalement je le vivais et comment les autres me voyaient suivant les différentes cultures. Donc ça, c'était assez surprenant pour moi. On en apprend tous les jours sur soi-même. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est d'abord que les téléspectateurs voient ton parcours, ta richesse en tant que femme. Ces réflexions aussi qui révèlent quelque chose de très profond, qui interroge, qui continue à interroger, et ton rapport à ton groupe humain. Puisque nous avons une problématique du métissage à la Martinique qui est nos jeunes s'en vont, ils se diluent dans le monde, ils sont dans l'universalisme, ils sont partis, ils nous échappent, parfois ils ne nous reviennent pas. Et finalement, on n'a pas fait de bilan de ça, on ne sait pas bien comment tout ça se gère, on ne sait pas non plus pourquoi nous perdons nos jeunes, en dehors du fait que, oui, le pays n'a rien à leur offrir, il y a peut-être quelque chose de l'identité aussi qui est construite sur un flou existentiel. Et c'est intéressant que certains de nos enfants nous reviennent avec une réflexion profonde, justement, sur le sens de cette existence, parce que les idéologies qui occurrent à la Martinique, qui sont basées sur le métissage, l'ouverture au monde, le tout monde, etc. On ne sait pas bien comment ça construit son homme ou sa femme. Ce qu'on sait, c'est que confronté à la réalité de l'extérieur, eh bien, ça ne tient pas la route. Et ceux des nôtres, de nos enfants qui ont réfléchi vraiment sur le sens à se donner à partir de ces définitions floues, universalisante, etc., eh bien, ils nous reviennent en nous disant « Non, j'ai quelque chose de très concret à dire au monde, à partir non pas de mon métissage biologique, mais de ma culture. » Et cette culture peut être reflétée par des faciès qui n'ont rien de spécialement africain, mais qui se sentent aussi habités par un héritage africain. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis, et je le répète, nous ne sommes pas... Oui, peut-être de la biologie, puisque nous existons dans des corps qui sont marqués phénotypiquement, mais ce ne sont pas les corps qui déterminent notre existence, c'est peut-être l'expérience sociale, mais la culture qui donne un sens à nos destinées, eh bien, elle n'a peut-être pas la couleur qu'on croit ou qu'on voit, on voit en apparence, d'accord ? Alors, donc, ton rapport à ton groupe humain nous ferait parler, par exemple, de tes expériences alors, en tant que personne qui est perçue d'une certaine façon et qui fait des rencontres avec d'autres gens et qui, à qui on révèle peut-être une identité qui se frotte à une conception intérieure. Et qui fait que tu refuses ou tu acceptes, mais tout d'un coup, il y a un travail de va-et-vient entre ce qu'on te dit, ce qu'on voit de toi et ce que tu construis à mesure que tu avances. Ah, c'est sûr, hein, l'ouverture déjà à l'Europe et au fil des projets auxquels j'ai participé dans différents pays, effectivement, m'ont permis de me découvrir moi-même parce que l'image qu'on renvoie finalement aux autres, comment on est perçu, comment les gens nous identifient, puis ce besoin d'identification en fait, ce besoin de catégorisation. De se rattacher à quelque chose, à un groupe, et non pas un métissage flou, accroché, suspendu dans les airs. Mais non, oui, il y a ce besoin de s'accrocher à un groupe. Et quand on pense, parce que moi le souci que j'ai, c'est que il me semble que les expériences de nos enfants, parce que on a des types humains différents, et quand on s'en va à l'étranger, on est censé continuer à être des Antillais. Et on ne le voit pas. Ah, non, non, non.
Il y a déjà la musique de fin qui s'annonce. Quand on est, on ne le voit pas forcément. Mais en fonction de nos phénotypes, je crois qu'on fait des expériences assez différentes. Et j'aurais voulu qu'on s'étende un petit peu là-dessus pour dire, oui, est-ce que ceux des nôtres qui sont un type africain dans le stéréotype hein, noir, etc., et ceux d'entre nous qui ont un type mulâtre que les Européens acceptent plus facilement, est-ce qu'ils ont les mêmes chances? Est-ce qu'ils ont les mêmes sollicitations? Est-ce qu'ils sont encouragés de la même façon? Est-ce qu'ils peuvent trouver les mêmes opportunités? Ça, c'est un souci qu'on peut avoir parce que finalement, de par notre composition, nous ne sommes pas appelés à vivre les mêmes expériences. Moi, je pense que, en tout cas, je parle avec la limite de mon propre domaine professionnel, évidemment. Mm-hmm. Sur les projets auxquels j'ai participé ou auxquels je participe aujourd'hui, les projets sont très multiraciaux et sont ouverts. Donc aujourd'hui, se dire que je n'ai pas accès à une certaine forme d'emploi par ma couleur ou par mon apparence, je pense que c'est se mettre une barrière. Mmh. Aujourd'hui, moi-même, dans ma propre expérience, j'ai... En tant que femme déjà. En tant que femme, je pense que j'ai plus souffert de ma condition de femme que de mon apparence. Mm-hmm. Ce n'est pas. Mais on pourrait te dire, bon, en tant que métisse, tu es plus acceptée plus facilement en Europe que quelqu'un qui serait une femme africaine selon le stéréotype, tu vois. Aujourd'hui, ben, comme je l'ai expliqué, c'est vrai que c'est l'expérience et la compétence que j'ai pu valoriser au fil de mes expériences que j'ai mis en avant dans mon métier. Mais le poids des rencontres dans ta vie, Solveig, il est très très important. Tu as dû le voir. Oui, bien sûr. Mais ce poids de rencontres-là, c'est ce que je dis. Comment est construite la société et à qui elle permet d'avoir ces chances-là, justement. Donc, en dehors de... Ça ne met en rien, absolument pas en cause les mérites de l'individu, puisque tu aurais pu, comme on dit chez nous, avec cette belle expression, tu aurais pu faire derrière et dire oui, je suis une femme, je ne vais pas réussir les matchs, ceci, cela, et puis je préfère qu'on me dirige plutôt que diriger. Je pense que ma culture a été un tremplin, au contraire. Justement, ce côté fort de nos femmes antillaises, ce côté ouvert et puis d'oser. Je pense que c'est ma mère qui m'a supportée dans ça. D'accord. Tu as ta mère qui a un caractère qui est très toujours fort, restée derrière moi. Très battante, etc. Donc, ben voilà, l'émission. J'entends déjà, chers téléspectateurs, cette musique menaçante qui me dit que c'est la fin de l'émission. Mais avec, il y aurait encore à dire beaucoup de choses sur les questions de racisme, de traitement différentiel de nos phénotypes à l'étranger, ceux d'entre nous qui sont pris pour des Arabes, ceux qui sont pris pour des Africains, ceux qui sont pris pour des Européens, des Réunionnais, etc. Et ces expériences-là sont intéressantes à se raconter parce que tout le monde ne vit pas la même chose, mais vous avez compris que la détermination, la confiance et puis les rencontres qu'on fait et le fait qu'on peut peut-être tomber sur des gens qui croient en nous, qui croient, peuvent déterminer aussi des carrières. Donc que nos jeunes ne soient pas dans des enfermements ou bien dans des projets qui sont par eux-mêmes qui vont monter par eux-mêmes leurs propres barrières, mais qui soient ouverts et que voilà, que les questions de couleur ou de tout en restant soi-même, parce que tu as dit que ton identité s'est fortifiée, s'est construite, et tu as compris au contact des autres, même quand on a voulu te coller l'étiquette de femme blanche, tu as compris que tu étais une femme noire ou une femme de couleur, comme tu le dis, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que faire toute avoir ces parcours et savoir revenir à ses racines, puisque ta problématique, c'est que tu voudrais rentrer au pays éventuellement. Et oui, ça donne toujours. On arrive à un stade de vie, je pense, où on a besoin de ce retour aux sources et de ce retour à sa propre culture. Et puis, peut-être aussi mettre autant de compétences que tu as acquises au service de notre pays, puisque nous parlons de la problématique du retour. Et malheureusement, nos jeunes, avec toutes leurs compétences, se dispersent dans le monde et sont au service des autres. Donc, si nos chefs d'entreprise voient de l'intérêt à de tels profils, eh bien, oui, ça serait intéressant que ces jeunes qui veulent rentrer
eh bien, soit reconnue. Et comme tous ces gens que Solvag a rencontrés sur sa route, eh bien, qu'elle en rencontre autant à la Martinique, qu'ils soient prêts à lui dire, voilà, tes compétences, tu peux, etc., viens travailler avec nous. Voilà, on espère que voilà, les choses vont s'ouvrir, les perspectives aussi, et que Solvag aura une chance de nous amener ses compétences ici à la Martinique. Alors, voilà, tu peux dire au revoir aux téléspectateurs. Mais au revoir à tous, et si j'ai un petit message donc, à faire passer à notre jeunesse, c'est d'oser aller de l'avant. Et il ne faut pas se mettre de barrières et s'imposer des choses. Oser aller loin. Voilà. Oser aller loin, d'accord. Et on a vu que en restant ouvert et souple comme tu sais le rester, eh bien, les choses parfois viennent à toi. Tout à fait. Hein? Tu ne vas pas forcément toujours les chercher. Donc, les risques de se fatiguer à courir après, voilà, se diminue, s'atténue. Et puis, finalement, les choses viennent à vous. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter Solvag. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée, une très bonne après-midi. Et à bientôt.